Coucou, j'ouvre ce vlog vraiment tardivement, très honnêtement, vu que j'ai pris du retard, ce matin sur le montage, je bosse sur 2-3 trucs en même temps, et du coup bah ça va vite, en plus on est allé faire le sport ce matin, là je vais à pied, je vais voir chez ma maman, il fait chaud, chez moi il faisait frais, je me rendais pas compte qu'il faisait aussi chaud cet après-midi. J'étais en train de me dire, bon tu fais quoi, tu vlogues pas, mais comme je vous avais dit que je vloguais, ce soir je vous avais dit on a un petit barbecue, il y aura un enfant d'1 an donc on passera avec Eric quand il rentre du taf. Je pense à Leclerc, histoire de lui prendre un petit truc. Je suis à contre-jour. Bon bah je suis rentrée. Non, je suis arrivée, je veux dire. Je vous ai pas pris parce que. Tu te calmes la mouche parce que bah, on a fait de l'ordi, j'ai dépanné sur l'ordi et tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être faire un petit goûter quand même. Bon, oh regardez les nouveaux toilettes. C'est super joli, j'adore le papier peint comme ça. Ça rend super bien tes toilettes, hein. J'aime bien prendre ça. Ça c'est très bien. Je peux te piquer des gâteaux? Merci. D'accord, je suis chez moi. Ça avance le boulot? Tu t'en sors? Allô? On t'a perdu? Maman? Non. Je suis rentrée à la maison. Je vais me changer. Je vais même me laver parce que j'ai encore trop bien transpiré. Vu qu'il fait chaud, je mettrai bien une robe. Ouais. En ce moment, c'est vrai que les robes, c'est hyper pratique. Et aussi, je sais plus si je vous avais dit qu'on hésitait en fait à transférer toutes ces affaires et mettre les miennes à la place parce qu'en fait, je crois que c'est pas un dressing fait pour les hommes. Il me paraît un peu trop petit. Pareil, vous m'avez dit, mais pourquoi tu mets pas une tringle pour protéger? Et bah, tout simplement parce qu'il est fait d'une telle façon que déjà là, tu peux pas. Sinon, regardez. Hop. Forcément, ça dépasserait. La seule solution éventuellement. Je me recule, voilà, super. Ça serait de l'autre côté, tac, tout le long, tac, mais pff, ça ferait bizarre, je sais pas. Moi, ça me gêne pas, le fait qu'on voit, d'autant plus qu'on a condamné, il n'y a pas la fenêtre dans ce côté de pièce, dans l'autre, oui, mais bon. Ouais, moi, j'aime bien. Et du coup, là où j'ai mis un peu de mes fringues, ça va un petit peu plus aussi par là, ça serait les siennes. Et il y aurait également toute cette partie qui est quand même très haute avec 1, 2, 3... 4, 5, il y a quand même pas mal de place. Tesla, prends-les. C'est moi qui dis ça alors que. Rebelote à Leclerc, je vous avais dit pour acheter notamment les petits trucs pour le bébé. Je crois qu'il faut qu'on prenne 2-3 petites boissons aussi. J'ai mis ma robe longue. Je suis quand même bien là-dedans. C'est pratique. Du n'importe quoi, je rentre dans l'optique de vous montrer les 3 choses qu'on a pris pour le bébé, enfin le petit. J'ai tout emballé, je me suis dit, ben voilà, donc j'ai pris 2 jeux éducatifs, hyper sympa. Bon, j'essaierai de vous montrer là-bas. Et quoi d'autre? Ah oui, comme une petite thermos, un truc comme ça, dans lequel, si tu vas pique-niquer, ce genre de truc, je trouvais ça mignon comme tout. Franchement, on était à Leclerc, il n'y avait que dalle. Au début, on voulait prendre des petites fringues sympas. Moi, je voulais une sortie de bain ou le petit bonnet, l'ensemble mignon avec les choses. Il n'y avait que dalle, que dalle, que dalle. Ouais, je vais essayer de vous montrer. Et je suis pas très fière de mes paquets. Celui-là, ça passe, mais pas évident celui-là. Alors, pareil, pas mieux. Je me suis refait une petite beauté. On va y aller. Il est 8h10. J'ai l'impression que l'écran n'est pas propre. Attends. Désolée, je suis fouillée, là. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas, je me rends pas compte. J'ai fait une halte, ce que vous reconnaissez, enfin pour ceux qui ont vu, c'est là où j'ai tourné mon clip. Tu ne me vois pas. C'est pas pareil parce que là tout est coupé je pense. Vous avez vu un petit peu la perspective que ça donne. Tu m'étonnes qu'on a tourné ici, c'est super joli. J'aime bien, bon ils m'attendent dans la bagnole. Bonjour, oh là là, tu es tout fou toi. Le bébé dort, donc c'est... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Ah non. C'est les noms propres. Ça, je crois que c'est une enceinte connectée, mon premier assistant vocal.
super tablette, elle est tout petite. Là, on a un balou qui a fait les bêtises. Il a voulu piquer. Nous sommes rentrés. La lumière, c'est pas terrible, je suis désolée. Vu que ce vlog aura été court, je vais le combiner avec la journée de demain. Je pense que ce sera mieux. Donc, je vous dis à demain. Coucou, je vous reprends le lendemain, 8h57. On s'est levé il y a peut-être 20 minutes. Je viens de me faire ça. Je connaissais pas, donc mon jus de betterave, là, comme ça, de chez Björg. Mais tu dis, ouais, ça va pas être bon. Franchement, ça passe. C'est sucré, c'est pas amer. Mais si. Ah, attends, il y a bébé. Il va chercher les pinces. Merde, les croissants en chocolat. C'est moi qui devais y aller normalement. J'avoue. Aucun commentaire. Voilà, aucun commentaire. Je pense que la question est vite répondue. Voilà. Ah, t'as pris baguette, c'est bien. Et des viennoiseries. C'est bien ça, les lendemains de fête. Bonjour, bonhomme. Tiens, c'est ça que tu veux ce matin? Oh oui, c'était ça que tu voulais. Oh, t'es trop mignonne. Oh, c'est mignon, garçon, ça. Je suis en plein montage, je fais un arrêt sur les jolies toilettes de ma maman. Quand soudain, j'ai entendu oui. Zaki pleurait. Pourquoi il pleurait de sa mère? Je vais faire un docu animalier rien que pour toi. Est-ce que tu voudrais être? Par contre, on va être beaucoup plus actif que ça. Hein. Ça va pas du tout, ça. Quand je dis faut parler, on parle autre. Voilà, prête. Ah, c'est la cocotte qui sonne, elle est partie au boulot. Ouais, 13h. Tais-toi, cocotte. J'ai reçu un message me disant que mon colis est arrivé en point relais. C'est ce que j'ai commandé, mon traitement pour le faire. Je vais le commencer demain. Franchement, j'ai hâte. J'ai très très hâte. C'était très rapide le repas de ce midi. J'avais pas très faim. On se rapproche, je pense, ce soir. Je me pose un petit moment pour discutailler, comme de temps en temps on peut faire. Faire un petit point avec vous. Parce que je sais que je vous avais parlé d'un projet à venir. Un projet assez conséquent quand même. Hein, le genre de projet qui se fait pas comme ça du jour au lendemain, ça demande réflexion, surtout avec la situation actuelle, Covid, tout ça. Et très honnêtement, et je pense que c'est aussi quelque chose qui peut être un moteur pour moi, de vous dire officiellement que je vais lancer ce projet. Donc ceux qui sont déjà au courant, mes amis proches, ma famille, je pense, parce que pour la plupart à qui j'en ai parlé, vous êtes plutôt très très très... encourageant, et vous me dites que c'est un super projet. Donc voilà, je vais me lancer dans la conception, création de ce projet qui va me prendre un petit peu de temps. Je sais pas trop, c'est de l'entrepreneuriat, donc il y a plein de choses à voir. C'est un projet qui me ressemble, alors je peux pas vous en dire plus parce que je veux quand même vous faire l'effet de surprise. De toute façon, vous le verrez, il y aura une vidéo de présentation. Mais voilà, le fait de le verbaliser, ça va me booster, ça va peut-être m'enlever un petit peu toutes ces craintes et ce côté questionnement qui est là tout le temps en train de te parasiter et te freiner. Je vais officiellement lancer... J'en dis pas plus. Ah ! Ce qui serait intéressant par contre, c'est que vous pronostiquiez un petit peu. Et à la limite, me dire dans quoi vous... Qu'est-ce que vous imaginez sur ce projet ? Donc c'est... Ouais, c'est intéressant. Mettez-moi tout ça en commentaire. Sans tricher les uns sur les autres. Sans remettre forcément. Après, il y aura des réponses similaires sans doute. Mais ouais, ça peut être cool. Oh là là, il y a un rayon de soleil de malade là. Ouf. Très, très chouette. Ce que je vais faire, je sais que c'est une vidéo, un petit vlog un petit peu court. Ça reste du vlog quotidien. Je vais terminer maintenant. Je pense pas demain vous mettre une vidéo demain pour moi. C'est samedi, donc samedi pour vous, il n'y aura pas de vidéo. Parce qu'aujourd'hui, donc vendredi 11 septembre, là, je vais couper, je vais faire le montage et je vais justement commencer à me poser pour bosser sur ce projet. Voilà, je vous fais un gros, gros bisou. Je suis en train de perdre ma voix, ça c'est la soirée d'hier. J'ai pas chanté, j'ai pas crié non plus, mais bon. Je vous fais un gros bisou et je vous retrouve très prochainement, je pense. Après-demain. Je dis pas, hein, peut-être demain, mais je préfère vous dire après-demain. Allez, je vous embrasse. Salut.